You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et de retour sur Gaming TV, bien sûr, pour la suite de la GSL. Évidemment, avec Biol contre Innovation. Innovation qui arrive aujourd'hui en France. Voilà, 22h, oui. Il pose le pied sur le terre-terre français. Bien sûr, le fameux terre-terre voilà. Français. Et on l'aura du coup demain pour faire des interviews, des vidéos. Ouais. Manger ensemble et samedi. Bien sûr. Battle. Battle. Peut-être que le mec va faire. Moi je mange pas. Moi je joue. C'est ça. Peut-être. Hein. Mais on verra. En tous les cas, nous on dégustera bien sûr le repas de demain, mais aussi les games d'après-demain samedi. Nation Wars, ça commence à 16h. Donc voilà. Commencez pas à faire les mecs. Oui, mais le samedi je fais mes courses et tout. Non. Vous faites vos courses demain. Demain soir, en sortant du boulot, ou des cours, peu importe. Ou alors samedi à 15h. Tu pourrais trader à ça. Ouais, mais genre, imagine, il y a de la queue à la caisse et tout, c'est relou, tu rates les vidéos que tu as préparées. Ou tu fais livrer, tu peux le faire livrer, tout à fait, par les nombreux services qui sont disponibles, bien sûr. Évidemment. Et du coup, on va avoir la game du fameux Innovation, voir s'il est toujours aussi chaud que contre l'Ozira, ou si Biol arrive à trouver une faille dans le code de la machine. Ce qu'il en est. Et moi j'ai hâte en fait, j'espère que Innovation va refaire son build de la grid et voir ce que Biol il en fait, s'il est capable de jouer macro game contre, ou si lui pareil il pète un câble. Ah, faut que je line. Ah, je me pète, j'ai pas de faire. Oh, line. Non, pas de troisième CC. Mais on va voir quel sera son choix. Echo, oui. Des breaks, nuker. C'est ça, et puis tu vois, genre ça se trouve, il va se faire défoncer Biol par ce build order. Et au Nation War, il y aura Innovation contre Nercho, et l'autre il va faire son rush. C'est ça, il va faire son Arco build. Ou alors, le Laser build, hein. Non, si c'était Laser qui avait fait le. Contre full... Master. Ouais, non, qui avait fait le full Ravager, je crois que c'était contre Major, non. Ah. Ah oui, ou alors c'est Scarlet qui avait fait en première. Je sais plus. Bah, je sais plus lequel des deux l'avait fait en premier, mais en tous les cas, voilà. Stéphano. Stéphano. Mais bien sûr, tu peux avoir des all-in bien sales et de manière. Enfin, je pense que si tu veux prendre la team Corée, le but de manière, c'est de tuer Innovation et ensuite on improvise. C'est ça. Déjà, tue Innovation. Et je pense que si tu veux vraiment tuer la team Corée, faut la tuer avant la finale, parce que en finale, tu as deux revives. Parce que c'est un BO9. Ah oui, j'avoue. Et du coup, bah, tu peux revive deux fois Innovation. Et Innovation, il va pas mourir deux. Non, il va pas mourir deux fois. C'est deux joueurs différents. C'est deux joueurs différents que tu revives. Ah, c'est deux joueurs différents. Merde. Non, mais du coup, ce qui est marrant, c'est que le mec, tu sais, si ça va loin, le mec, il se fait pas revive. C'est mec, on a aucune confiance en toi quand même. On a deux revives, mais surtout pas toi. Surtout pas toi. Mais du coup, la question, c'est en qui t'as pas confiance. Bah, en fait, moi, je dirais SOS par défaut. Mais en vrai, dans tous les moments qui ont compté avec Jiner, c'est lui qui a toujours été allié. C'est ça. Donc, et Zest ne s'est pas qualifié en CODES. Donc voilà. Qui c'est? En bas à droite, le terrain bleu, bah, la si, machine. Il a échoué. Innovation. Qui a échoué? Zest. S'est qualifié en CODES. Ah bon? Mais pas en Sixteen. Ah d'accord, oui, ok. Voilà. My bad. Qu'est-ce que tu fais? Et à gauche. Oh. Hanjur Sansue. Voilà, on se hype, évidemment. Biol à l'écran, mais on revient sur Innovation ici. Et ouais, j'ai hâte d'apprendre un peu plus sur le jeu. Et sur les limites d'Innovation, en a-t-il à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que les machines à l'heure du jour d'aujourd'hui? Est-ce que les machines ont des limites? Elles n'ont que les limites imposées par leurs composants. Mais si la machine a pris conscience de son état et est capable d'améliorer ses composants au fur et à mesure, prendre conscience, elle a juste conscience. C'est ça. Déjà prendre conscience et pouvoir du coup. Déjà l'intelligence artificielle, le principe de pouvoir s'adapter et de pas du coup de pouvoir en fait changer ton code au fur et à mesure. C'est ça. Et de pouvoir devenir Protoss, parce que c'est ce qui est un peu de mieux. Ouh là là, ouh là là. Ouh, on sent qu'il y en a un qui a pas kiffé le community feedback de cette semaine. Ouh là là. Quoi, il parle pas du carrière? C'est ça. Bon, le truc d'Hydra en mode tout le monde a fait non, l'Hydra on veut pas que ça bouge. Et je suis 100% d'accord. L'Hydra ne doit pas bouger. Arrêtez de vouloir la bœuf. Oui. Mais du coup, ils font la même chose que pour l'ultralisque, c'est du coup ils taisent le sujet. Le carrière, non, je suis bien. Non mais c'est pas parce non, que je suis bien, non, mais, c'est pas parce que les gens t'abusent toi parce que t'as une espèce de syndrome de Stockholm avec le carrière
que c'est le cas pour le reste de la scène, tu vois. Bah, je sais pas, à niveau coréen, j'ai jamais vu une seule game. Enfin, sur ce dernier mois, j'ai pas vu beaucoup de game carrière, mais j'en ai pas vu une seule qui n'a pas été successful. Bah, c'est parce qu'il y en a trop peu, les gens sont pas prêts, ouais, tu vois. Mac Garnacle, 23 mois de resub. Les gens sont pas prêts. Voilà, les gens sont pas prêts, tu vois, c'est comme le Swarmost. Rappelle-toi le Swarmost. Où bah, au début c'était incontrable et après les gens au fur et à mesure ils s'adaptaient. Bon, c'était chiant à voir et à jouer, tu vois. Oui. Mais au final tu s'adaptais et tu pouvais survivre. Ouais. Peut-être que ça sera pareil. C'est ça. Ouais. Voilà. Panier Tarsis, ouais, mais samedi je vais acheter du matos pour aller. Pour aller dimanche. Pour aller dimanche quoi? Pour aller faire du kayak dimanche. Starbuck, 22 mois de risam. Et bien sûr, attention, hein, le kayak, c'est quand même une sacrée métaphore, bien sûr. N'hésitez pas à regarder Last Week Tonight. Mais je me disais, qu'est-ce qui... quoi ? Last Week Tonight, un show qui est host du coup par John Oliver sur HBO. Et il y a un épisode qui parle à un moment du fait de faire du kayak. Et okay. ça peut vouloir dire bien des choses, faire du kayak. Ok, j'ai peur. Un troisième CC qui a été posé ici. Oh là là. Ouais, c'est ça, c'est... Alors là, il y a un épisode sur une saison. Il y a un moment, sur un intervalle de 30 secondes, il y a une ref. Oui. Mais attention. C'est ça. Mais c'est la ref qui est importante. C'est la ref. Hein. C'est ça. De manière, les séries russes diffusées en Ukraine vont devenir encore plus nombreuses ces prochains mois et années, peut-être, mon cher Jack. Bien sûr. Ça serait peut-être cool. Ça pourrait produire des trucs différents. Ouais, alors. Et alors, quoi ? Je parlais de l'invasion d'un pays quand même. Et alors ? Mais c'est. Voilà. Bon. Bon. Voilà. Das Bass, Hugo et Nickel, la fine équipe du cast vous met une augmentation de cette boîte de resub. Bah, merci à toi. C'est ça. Et bah, écoute. On va te donner le mail. Voilà, on va transmettre à Ponf et à Kerry. Oui, alors, il y a un sac qui a dit qu'on mériterait de. Ah non, on va. Mais depuis 27 mois, il pèse, non ? Voilà, on peut écouter son. Non, non. On va se faire foutre et on fait des heures. Ah, ok. Ouais, bon, bah. Ah ouais. Attention, mais ici. Mais il va très fort. On paye la bouffe demain. Ah, bon, bah, si on paye un repas dans l'année, alors. Alors, tu vas bien. Ça va, du coup. Et on t'a même laissé le choix du menu. Oh là là. Oh là là. Bon, en tout cas, on a un biol qui veut jouer le vrai jeu. Donc, il a compris qu'il y a un 3MCC et il veut macroter contre Innovation. Du coup, j'ai peur. Parce que moi, j'ai dit le build d'Inno, tu peux pas le piner. Genre, trop fort. Mais cela est-il le cas ? Alors, on a scouté suffisamment vite pour n'investir que très peu dans les défenses. Là, t'as 10 Yergling, c'est important, mais on a que 4 queens. T'as pas fait le build où tu fais jusqu'à 8, 12 queens pour défendre le Kogre build. Non ! Au lieu de faire des queens, on fait des drones. Et regarde le nombre de drones qu'il y a, c'est énorme. Ouais. Donc là, peut-être qu'on a de quoi défendre en fait un mid-game, voilà, emmené par Innovation. Là, je suis plutôt satisfait de la prestation de Biel. Alright. Eh bien, on va voir si la satisfaction de Yoko permet de vaincre Innovation. Sur le long terme, en tout cas, on va avoir un avantage d'upgrade assez significatif hein, du côté de Biel, en plus d'un avantage au niveau des workers, parce que là, on en a 55 et on a lancé 11 de plus. Et du coup, ça fait 66. Donc 66, c'est parfait pour saturer 3 bases, tout simplement. Voilà. Mais c'est pas encore assez, en fait. Là, il faut... Murdron. Et là, tu fais des links. Tu fais Murdron. Un plus de drones. Game of Drones, bah. Non, là, en fait, il a tellement scouté tôt que ça le met bien. Tu vas venir dans la problématique là où t'as pas assez de l'arbre. T'as pas assez de l'arbre, en fait, pour tout faire. T'aimerais avoir rien. Là, il en va, mais... Yeah. Il faudrait plus, pour booster plus, 63, 62, t'as des bâtiments à faire. Là je pense vraiment que après c'est après les zerglings qu'il fait, voilà, c'est acheter 20 zerglings et tu reprends les drones. T'as 20 zerglings histoire de te donner bonne conscience et de pouvoir gérer un drop. Mais après c'est... Drone again. La gestion des drops de la bonne conscience, tu vois, c'est comme les gens qui prennent du Coca Zéro au McDo, tu vois, c'est... T'as pas, non mais c'est marqué zéro. Du coup, c'est pour la bonne conscience. Non mais c'est moins calorique. Oui, mais enfin bon, je veux dire, bon, quitte à faire du fast-food, je veux dire, fais-le jusqu'au bout, tu vois. Et c'est un peu pareil ici avec la production de drones. Attention, ici, les Vanilles qui sont en train de prendre la poudre. Et on va reculer avec ces Marines, donc... Oh là là. Pseudo Coca Bill délayé qui chope quelques unités. Le truc qui est dingue, c'est ça en fait, le mec il lui a mis un vent, genre il y avait 40 contre 55-60 drones. Regarde, 58-68.
et le mec du coup il a 10 de pop d'avance alors qu'il s'est rien passé. Le Zerg a grid au maximum maximum et il est en retard. C'est pour ça que je dis que ce build order tu genre tu peux pas le test. Maintenant si t'es meilleur que le type tu vas quand même gagner. Oui, mais bon, est-ce qu'il y a des gens qui sont meilleurs qu'Innovation? Bon, là il s'est quand même fait choper 4 Helios au milieu de la pampa, ce qui était un petit peu dommage pour The Machine. Maintenant, bah, il a son 2-2 qui est en train d'arriver et les upgrades c'est juste tellement important dans les méta tels que Peugneux pour aller skier, bien sûr, Kaïtarsis, merci pour ton deuxième don. Et eh bien ne tarde pas, voilà. Le ski c'est bien, mais Nation Wars c'est mieux. C'est mieux, oui, c'est ça. Mais voilà, les upgrades sont ultra importantes dans cette méta. Enfin, en Zergling, Bending, Muta contre Marine, Mine, Medivac. Oh oui. Chaque upgrade potentiellement, c'est un groupe d'unités qui meurt en plus en fait. De par le splash damage des mines, de par le splash damage des Bending, les upgrades de défense notamment, les upgrades d'attaque pour les Marines. Enfin, c'est tout, trop important. Beaucoup trop important. Non, complètement d'accord avec toi. En tout cas, on est passé sur le stade des 82 drones. Maintenant, il faut pouvoir tenir le go d'Innovation qui a rien à foutre. Hein. Juste il a laissé dépasser ses unités parce qu'il a bien compris qu'il avait il avait de quoi faire. Là maintenant ça va être en phase d'échange, échange. Le Jordan en fait on le voit peiner sur ce que j'ai. Les larves. Il n'a pas assez le mec, il a 1700 thunes. Il a le pognon mais il a pas, il arrive pas à dépenser. Il a les drones mais il faut, il sait pas quoi en faire. Là limite tu pourrais faire 100% bending peut-être. Ouais, il coupe les renforts, c'est très très bon ce que fait Biol. Et Innovation, lui pour l'instant, il n'y a, aucune erreur à part les 4 Helions qui ont été oubliés. Juste il se contente de contrôler le terrain. Il sait que bah, le joueur Zer il va commencer à très vite s'exposer au centre de la carte. Ouais. C'est la problématique du map où toutes les cartes sont petites à l'exception de Tourbillon. Et même si le terrain lui aussi va s'exposer en avançant middle, bah ouais, bon, lui met une PF et déjà tu règles une bonne partie des soucis. Ouais. Bah on va voir. Ouais, bon, on va voir là, 85 drones, c'est beaucoup de drones. Mais si tu arrives effectivement à les conserver et dans un format flux tendu, hein, dans qui est encore une fois le Zergling Bending Muta, ça peut se rentabiliser. On va voir ici pour l'instant, on est en train de dynamiser pas mal de creep. Le creep aussi dynamique extrêmement important du match. Ah, une mine qui fait beaucoup de dégâts dans les Bending. Et ouais. Oh, oh la vache! What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais il est complètement con! Mais le mec il veut nous tuer en plein live. Il a failli assassiner Yogo. Déjà j'ai putain de mal à la nuit. Bending, ok. Faut pas avoir Steam quand même du côté de Inno, hein, les maraudeurs qui sont là pour tanker les Bending. Donc s'ils ont moins de points de vie forcément ils tankent moins. Et là on absorbe. Les connexions sont pas trop mauvaises. Mais encore des unités, surtout beaucoup de renforts derrière du côté de Inno et du côté eh bien, de l'Ozira. On arrive juste pas à avoir la pop en place. Mais on a une grosse attaque ici qui est en train de se faire. Faut pas que la mine tire. Elle va tirer. Oh mon dieu. Il y a beaucoup de Zerglings qui sont morts ici. 12 kills. Et ouais, 12 kills. Et de l'autre côté par contre on arrive pas à tenir. Alors oui on a coupé les renforts mais il va falloir refermer cet étau qui pourrait se construire naturellement sur le retour sur un gros F2 ici. Mais il y a les mines qui sont là, qui sont derrière et qui vont faire mal, qui vont pulvériser l'intégrité de la deuxième fourchette là que Biel tentait de planter dans le postérieur d'Innovation. Et la rude hein, même si on a décalé avec la B5 là, on a déjà perdu un petit peu de drone. On perd du temps de récolte. Mais là en fait Innovation qui est en mode, tu sais, c'est le vieux style sacrément all-in hein. Bah, regarde, 10 minutes il pose B4 le mec hein. C'est en mode 3 bases de l'infini, 3 bases de sound pop, genre timing. Attention les mines ici, il y en a beaucoup, il y a une colonne de mines qui peut faire tellement de dégâts, il n'y a pas les connexions nécessaires sur ces Bending et derrière il n'y a plus de Bending. Le petit scan qui pourrait être balancé ici pour nettoyer toujours plus de creep et permettre à Innovation de s'avancer toujours plus. La mine qui va s'enterrer ici, qui va quand même être chopée de la part de Biol. Mais là est-ce qu'on n'a pas déjà trop perdu du côté du joueur Zerg? Est-ce qu'on n'a pas pris un peu trop la sauce sous les cocons de Bending qui va être attrapé au milieu de la pampa? La mine qui s'enterre, la mine qui va tirer. Non, elle n'a pas tiré, elle a été focus d'ailleurs par un groupe de Muta, mais il n'y a que les Muta. Quelques Bending qui sont terminés. 3 Bending, 4 Bending. C'est ça. Clairement pas assez. Top. Et là, voilà, on a les Baroneurs qui sont là en train de tanker le speed. Et finalement, il n'y a pas eu de outplay lié au build order. Biol qui a pris l'information à la seconde près où le CC a été placé. Ouais. Ça lui permet d'adapter parfaitement. Il y a eu le moment chaud où t'as les deux premiers divas qui arrivent et le mec il a poil. Mais derrière, finalement, il tient, il a ses 85 drones. Il a ce petit manque de larves qui est un peu handicapant sur une petite période du jeu, mais après derrière, voilà, il lance sa contre-attaque, il fait ses trucs, il fait ses moves, mais c'est juste Innovation qui joue mieux. Donc comme quoi on peut faire un vrai duel face à ce build order d'Innovation. Maintenant, bah, le problème c'est que c'était pas le build order d'Inno,
c'était Inno tout court. Ouais. C'était Inno, le joueur Terran, le problème, beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort pour être testé, hein. Ici, dans cette séquence, c'est un build qui a tenté la macro. Et bah on verra si sur la game suivante il tente la macro aussi, puisque bon après Daybreak, est-ce que tu peux vraiment caler ce 3ème CC? Enfin t'es quand même sur un wall, t'es quand même sur un wall plus difficile à défendre, hein. Enfin je pense que si s'il y a un endroit où peut-être que tu veux genre délayer genre de 45 secondes ton CC et à la place mettre deux bunkers, c'est cette map, tu vois. Ouais. Le fait de pas avoir de rampe, c'est quand même assez au désavantage du terrain. C'est ça. Ou mais la carte est un petit peu plus grande. Maintenant, Buell, il pourrait refaire un go du même type que contre Forte, où il enchaîne énormément d'opérations les unes à la suite des autres, ce qui fait que le terrain est un peu désorienté, ne sait jamais en fait quelle est la suite du jeu. Mm-hmm. Carte privée d'information. Alright, en haut à droite, il mène 1-0 dans cette série. Va-t-il s'imposer 2-0? Innovation. On fighting. Na na na. Et en bas à gauche ici pour la Zerkerie. Biol. Ok, Mida. Ah bon dieu. Le Mida obligatoire, bien sûr, de toute phrase coréenne. C'est le Mnida. Mais. Ah Mnida, c'est MN. Mnida. 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 Ah mais en vrai Et ça se trouve là t'as le drainer qui écoute en mode mais non c'est pas ça Yoga. Ok. Ouais bah je pense pas qu'il t'écoute vu qu'il fait du Overwatch maintenant. Et alors? Ouais. Mais bah je me demande moi j'aimerais bien. Que te demandes-tu? Bah j'aimerais bien savoir en fait ce qu'ils disent des fois genre enfin genre en fait Blaise Del qui sub, merci à toi. Oh moi j'aimerais savoir ce que. Savoir quoi? Bah voilà, qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois? Parce que genre, c'est un mec qui te hype, mais tu sais pas ce qu'il raconte. Non, mais surtout, tu sais, ils le disent trop souvent pour le Mnida. Ouais. Ah, ça veut dire genre. Est-ce que c'est pas le Wallet coréen? Non, c'est un truc que tu mets quasi. Tu sais, c'est. C'est un suffixe? Oui, c'est. Si tu dis Tekal Mnida, c'est. Je suis Tekal, tu vois. D'accord, mais du. Je crois attends, ça veut dire c'est je suis enfin tu donc c'est genre tu désignes quoi, c'est un truc voilà c'est ça c'est comme ça que ça se passe Xmida ça se passe. Alors après de mon niveau de coréen quasiment inexistant, je raconte d'accord. Sûrement de la merde, mais c'est à peu près comme ça. Voilà, bah si vous avez des connaissances en coréen, n'hésitez pas à balancer Nida ou Aeyo, c'est au choix. Samson Nida. Ok, apparemment bon. Nida c'est comme une ponctuation en coréen. Ouais. Non, c'est pas c'est qui ce builder, le build order dont il parle tout le temps, une célébrité? Habile. C'est quoi c'est... Attends. Build order. Est-ce qu'il y a un mec qui s'appelle build order? Un build order. Oui, et du coup pourquoi build order? Build. Ah, il dit comme si c'était un nom, Bill. T'aurais pas dû mettre autant de temps à la comprendre celle-là, Yoko. Je t'ai jugé. Coca build. Justement. Coca build. Coca build order. Coca Bill Marie-Joseph Dorder qui va être envoyé ici de la part de Innovation. Donc tu vois, on ne tente pas le 3CC sur des breaks. Évidemment, on ne le tente pas du tout. On a envie de varier. Et là on a une journée où de défense qui te permet de l'avoir au moment où le mec il arrive avec son Coca Bill. Il ne te complète pas le ramaquer. Ou est-ce qu'il veut pas juste faire un ascenseur de ligne? Tell me. Voilà, Biol en ouais. Rush, un def. Bah, ça, ce qui a du sens, hein, ouais. Si tu pars du principe que ça va être le coca build. Bah, c'est, en fait, si tu fais ce build d'order là, le mec, quand il va arriver avec ses 16 premières marines, il va faire demi-tour instantanément. Et il va revenir s'il fait une transition double upgrade au moment où il a ses deux upgrades. Parce qu'en fait, au moment où il arrive avec ses marines, toi, t'as ton amélioration de défense, donc il a une upgrade de déficit. Mais s'il fait double upgrade, au moment où il revient, lui, il est à 1, mais toi, t'en as qu'une. Alors que si tu fais un build double upgrade, bah, quand il a double upgrade, t'as double upgrade. Là, du coup, voilà, t'es fort sur le premier go, mais t'es beaucoup plus faible sur le deuxième. Je vois. Donc c'est là où tu arnaques. Voilà. Sauf s'il fait pas une transition double upgrade, alors du coup, le... mon intervention est complètement fausse. Mais genre il faut. Et casser des culs dans le chat qui a compris directement. En fait, Nmida c'est de la ponctuation comme FTP pour TKL.
Voilà, en fait c'est ça, c'est juste un mot que tu dis comme ça, tu l'utilises tout le temps, dans toutes tes phrases, parfois plusieurs fois par phrase, voilà. Mais bon, c'est comme une fois en belge, exactement Jack. Yeah. Voilà, donc Nida c'est le une fois. Ou le tabernacle, voilà. C'est ça. Du coup on va rigoler quand le Corée sera là. What is Nida? Oui, ouais, bah, ils vont pas savoir nous répondre je crois. Je vais te la bonne. No English. No. No English, Mida. Quoi? Les gens qui pètent un câble. On pourra demander, il y a les traducteurs demain. Et il y a un gars qui vient qui parle aussi français. Ah, du coup, on l'a appelé lui? Il vient aussi samedi. Nice. Du coup, on lui pose la question. Ok, nice. Devant tout le monde, tu vois. En live. Viens sur le canapé. Tu maintenant. Qu'est-ce que c'est comme Mida? Ah, mais en même temps, moi je dis innovation sur le canapé, le traducteur à côté, tu vois. Ouais. Et tu sais, on fait analyser des games de ZVZ par innovation. Il va être là. Because I'm innovation, because he's noob and I'm inno. I am too good. He's not a machine. Regarde, donc là normalement il arrive, c'est. Beaucoup de zagrimes qui sont grattés. Ouais, les marines qui sont encore là assez largement en vie. Est-ce qu'on peut pas réussir à continuer à gratter? En tous les cas, il va falloir en même temps gérer le drop qui est fait dans la main. En fait, on a complètement gridé en fait sur le nombre de zagrimes du côté de Chebiol. C'est pour ça que Innovation a pu échanger un petit peu malgré le déficit d'amélioration. Mais voilà, on n'insiste pas plus. Là, on prend 3 SCV, c'est sacrément intéressant. On aurait juste pas perdu. Ah non. J'ai l'impression qu'on est mal parti là. Ah, le type. Ah, il est over qui n'a pas le speed. Supply block. Condamné. Supply block. Plus d'overdrop. Donc, difficulté pour agresser maintenant. Et un Innovation qui a encore des marines sur le terrain. Donc, encore une grosse présence. Et là, derrière, il rajoute une Rax et pas un CC. Ouais. Donc on pourrait vouloir bourrer hein, du côté du joueur coréen. C'est exactement ça. Et là je suis en train de me dire en fait pas du tout dans mon truc est quasiment faux parce que là on était dans une version pull first du build chez Biol. Et il a mis tellement tôt son amélioration de défense que regarde. Il a réussi à avoir ses deux upgrades en même temps, c'est un peu doux en fait. Ouais, ce qui va lui donner un timing intéressant mais qui va limiter plutôt le timing de Inno. Ah là je suis surpris. Le truc c'est que ça a retardé son T2 en fait. Et si ça retarde ton T2, ça retarde ton speed bane. Et si en fait là t'as 30 marines qui arrivent et que t'as que 5 bending, moi tu peux avoir des bending 1-1 hein. S'ils ont pas le speed bane contre Hino En fait je dirais que t'as jamais le speed bane contre son combo. Ouais. Mais par contre t'as normalement, enfin t'as souvent plus de queen. Ok. Parce que le speed bane en fait il arrive, l'objet est tellement, le mec sur ta mini 1 va arriver quoi qu'il arrive avant, sauf si t'as ultra rushé le tier 2, ce qui a pas trop de sens. D'accord. Parce qu'il te faut des thunes. Je vois. Donc tu joues juste sur le swarm, la masse de Queen, l'encerclement et le creep. Mais là, le creep, il n'y en a pas un. De toute façon, on est en mode double front du côté de chez Innovation. Ok, là, on pick up, on défend bien. Biol défend correctement, mais là, la grosse difficulté, ça va être la pose de B4. Pour l'instant, elle est sortie ici, mais les marines échouent. Trop bien. Ouais. Là, il y a un double front. Et là, je vois c'est pas quand. Voilà. Il le sait lui-même, hein. Il ne peut pas la défendre celle-là. Et là, il va se faire bourrer directement au niveau de la B3 pour aller choper les nouvelles creep tumeurs et les queens qui sont en train de transfuser, mais du coup, qui se sont un peu plus exposés au feu nourri des marines derrière les Zergling, les Bending qui tentent de repousser aussi loin que possible. On veut reposer du creep, mais ça veut aussi dire qu'on a des transfuses en moins pour les prochaines minutes. Et toujours plus de renforts qui sont en train de traverser. On a posé un 3ème CC relativement tard par rapport aux autres games hein, du côté de l'innovation. Donc on a beaucoup de troupes sur le terrain. Le T2 qui est déjà lancé. Beaucoup de medivac, beaucoup de marines. Des mines qui sont déjà sur le terrain. On va choper quelques creep tumeurs ici. Et les mines qui vont s'enterrer. Le petit scan qui est claqué pour pouvoir faire reculer l'influence du Jozak sur le terrain. Les bending qui tentent d'arriver pour défendre avec les Zaglings en couverture en premier rang. Est-ce qu'on va réussir à mettre les mines? Les mines qui vont tirer. Oh, il a ciblé sur les bending. C'est pas mal. Ça forçait au moins le split de la population Zerg. Bah, derrière, il a récupéré en fait, puisqu'elle n'était que. Elle était forcément divisée en deux et lui récupère chaque moitié, la première déjà était récupérée, la deuxième va être une partie de plaisir. Et on a une Innovation en fait qui tue de la même manière qu'il tuait fut un temps avec son gros timing bat. Là on est sur un. Voilà, on est sur le deuxième timing du vocabile, mais ça sur le timing 1, le mec meurt quoi. Oh là là, ouais. Il a ciblé la BI. Oh là là. Oh oh oh, yeah. Le mec a perdu 13 marines pour avoir tué 110 drones, 125 lings, des overs, 10 bane, 5 queens. Le viol! C'est ça. Il l'a trop fort. Humilié. C'est n'importe quoi. Innovation trop fort. Oh là, oh là, il veut le check. Genre, vas-y. Salut, calme-toi. Genre, me parle pas maintenant, tu vois. Parce que
moi ce que, enfin, de ce que je vois de Biol là, c'est que c'est un niveau incroyable déjà. Ouais. C'est les build order sont bons, il est capable de les varier, il a toujours un petit trick, soit un run by ou alors un drop, un truc qui fait la différence en plus de ce que font les joueurs standards. Donc il est vraiment au-dessus de la moyenne c'est du top coréen, mais il s'est humilié quand même. C'est innovation. C'est inconcevable. Innovation, il évolue dans une autre dimension à l'heure actuelle. Ouais. Et d'un côté, ça fait chier pour Biol, parce que Biol, c'est un joueur moi que j'ai beaucoup aimé voir jouer quand j'étais très enfant, en 2014-2015, et qui là est en train de revenir à un très bon niveau. Et pas de bol, bah t'as été tiré dans le groupe d'innovation, quoi. But where is life? C'est ça. Where is the guy? Non mais où est-il? Non mais c'est surtout. Will enfin, T'as mal pour Biol, quoi, parce que le mec, tu sais qu'il vient de passer un an de galère et que là, bah, il s'est fait chier dessus. Bon, après, c'est pas perdu. Hein. Faut encore attendre le Losers Match, du coup, qui va se dérouler entre Lozira et Forte. Ensuite, il va y avoir le Deciding Match, du coup, le vainqueur de ce match contre Biol. Donc, Biol a encore ses chances. Mais, ça fait chier. T'as hein. Innovation, le mec, est du coup ultra favori pour la compète. Hein. Il y a quand même pas à chier. En vrai, s'il n'arrive pas en finale, je serais très étonné. À moins qu'il y ait un classique qui passe sur son chemin, kill Protoss, j'y crois moyen. Hein. Il est tellement fou. Pour moi, un des joueurs qui pourrait vraiment, peut-être, lui poser souci, tu vois, c'est Hiro. Ouais. Ou un Bion, peut-être, non, TVT. Genre, en TVT, je pense pas. Je pense pas qu'il soit testable. Je pense pas que c'est testable. Parce que Bion, en fait, n'importe quel autre match-up, je pense qu'il peut le gagner. Mais en TVT, je pense qu'il est pas testable. Mais Hiro, genre, c'est un joueur pareil qui est en fait un peu en phase de reprise, de réellement regain de niveau. Il vient d'avoir une équipe, il a envie d'être impressionnant. Et il a disrespect l'Olimo League. Bon, il l'a pas gagné, mais il a disrespect l'Olimo League de mardi dernier. Donc. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est l'un des joueurs qui me fait le plus kiffer chez les Protoss à l'heure actuelle. C'est anciennement, tu vois, c'était SOS, c'était bon chouchou. Et à l'heure actuelle, c'est. Tu vois, il y a Stat que je kiffe bien, mais Hiro. Quand tu le vois jouer, mec est swaggy. Il est complètement barré dans sa tête. Le problème de Stas, c'est que le mec est toujours méga fort, mais qu'à chaque fois, t'as un mec qui a soit un truc de swag en plus, soit un truc de charisme en plus, c'est ça, qui fait que tu préfères cet autre gars. Alors qu'en vrai, Stas, il est là. Genre, il est là, excellent. Il est fort, il était en finale des UEM. Et genre, t'as envie de lui, mais genre, il a pas ce petit truc en plus. Ce truc où à un moment, le mec, il va te faire trois sariés de Florax, tu vois. Fais pas ça, Stas. C'est ça. Tu vas te faire un beau speed d'adepte, puis c'est bien, mais. Bon, après, tu as split des adeptes, tu vois. Il est où le petit côté as, tu vois? Ouais, le full adepte. Juste le côté grimoire à Protoss, tu vois. Voilà, ou alors, si t'es pas forcément dans le grimoire à Protoss, genre type Zest, genre t'es monobuild dans PVT, bah c'est pas grave parce qu'en fait t'es musclé et t'es badass. Tu vois? Ou alors, bah même fais si. Des pompes avant un match, même si. Hiro à une époque, bon, il était quand même un peu grimoire Protoss, mais pas full grimoire, il avait ce nom, The Smiling Assassin, tu vois. Genre le mec, il te tuait. Voilà, des coups de couteau dans le dos et t'es. Ouais. Ça va bien. Ça me fait penser à un truc. Avant qu'il joue Zest, là, faut avoir la caméra sur lui. Genre, il fait des ponts. On fait tous des ponts, tu vois, dans les locaux pour accompagner Zest. En vrai, ça sera monté. Est-ce que ça serait pas énorme? En vrai, ça serait assez marrant. Viens, on deal ça. Si Zest fait des ponts, on fait tous des ponts en même temps. Bah, faut qu'on voit si les autres sont chauds, parce que si on est juste deux connards. Et là, tu vois le mec, genre, il rigole en faisant des ponts. Et toi, il se pète le nez. Et du coup, il peut pas jouer. Retour en courir en urgence et tout. Ouais, bien joué au gaming. Vous avez défiguré un joueur professionnel. Bref, toujours est-il que on va retrouver le prochain match juste après la pause. Ça sera Forte contre Lozira. Ne nous quittez pas. À tout de suite.